Est-ce bon, est-ce utile? Ça va comme suit. Couple dans la trentaine, ils avaient le projet de leur vie en agriculture. Et le projet a avorté pour différentes raisons. Et selon l'avis de ce jeune couple-là dans la trentaine, la raison, c'était une faute professionnelle, d'une experte, d'une professionnelle. Donc, un mauvais rapport, une mauvaise évaluation et le projet a avorté. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans cette saga-là, près de 2 ans en poursuite en cours. Et la maman a eu un enfant, une petite fille qui est rendue, je pense, 6 mois quand on a fait l'entrevue. Puis elle a un enfant de 3 ans et plus, 3-4 ans. Elle me dit, ça fait 1 an que je suis ces antidépresseurs, dors plus, c'est le conflit dans le couple. La maman, elle a accouché, elle dit, j'ai même pas été capable d'allaiter mon enfant. Parce que vous savez, pour allaiter, bon, c'est de l'oxytocine, puis bon, il faut avoir un certain niveau de calme et tout ça. Bref, elle n'a même pas été capable d'allaiter. Mais le pire, elle m'a regardée en pleurant, puis elle dit, je ne ressens rien pour mon enfant. Elle n'a pas été capable de s'attacher. Parce qu'elle est en dépression. Puis elle sait c'est quoi s'attacher, être attachée au premier enfant. Elle n'a pas été capable de créer ce qu'on appelle le lien du bonding, qui est fondamental pour la vie d'un enfant. Elle pleure. Ils ont donné 10 000 aux avocats déjà. Y a-t-il des avocats dans la salle? Et c'est pas fini, ils prétendent qu'ils vont en avoir pour 10 000, 15 000. Ils ne mangent plus. Ils ne mangent plus, c'est pas vrai. Ils ont à peine à faire l'épicerie, ils sont endettés là. Et là, je lui demande, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui motive votre poursuite judiciaire comme ça? Parce que Marie dit, moi, je suis plus capable, je voudrais abandonner, je veux laisser ça. Et elle a dit, non, on va continuer. Alors, je me dis, mon Dieu, il doit y avoir des chiffres au bout de ça. J'ai dit, c'est quoi la motivation? Je cherche toujours la motivation. J'ai dit, j'imagine qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Elle a dit, non, pas en tout. Elle a dit, il n'y a même pas d'argent à aller chercher là. Elle dit, c'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Mais là, j'ai dit, c'est pourquoi? Vous savez, moi, je suis innocente rare, là. C'est pourquoi, vous pensez? Exactement le mot qu'elle m'a sorti. Elle dit, pour question de principe. J'ai dit, c'est principe? Là, elle me regarde, elle dit, tu sais ce que je veux dire? Non. Elle dit, tu sais pas ce que c'est des principes? Tu sais pas ce que c'est des principes? Pas vraiment. Mais j'ai dit une maman qui me dit qu'elle n'est pas capable d'allaiter, ça pour moi c'est clair. Un couple qui est sur le bord de se divorcer, c'est concret. 10 000 piastres aux avocats, il t'en reste 10 15 000, puis tu n'es pas capable de faire ton épicerie, c'est concret. Puis une maman qui pleure parce qu'elle ne ressent rien pour son enfant, ça pour moi c'est clair. Des principes, un peu moins. Elle m'a dit qu'elle était convaincue que quand elle serait accusée de faute professionnelle, enfin elle serait heureuse. Oh, la vengeance, c'est pas égal. Le plaisir, c'est pas égal au. Parce que la vengeance amène du plaisir. Le plaisir n'égale pas le bonheur. Alors, je dis, est-ce vraiment vrai? D'abord, est-ce vrai qu'elle va être accusée? mettons qu'elle sera accusée, est-ce vrai que ça va t'amener à être heureuse? Mais les deux questions les plus importantes, j'ai dit, je vais juste te poser 2 questions. Tu réfléchiras là-dessus. J'ai dit, moi, je ne veux pas que tu me répondes à moi. La bataille que tu fais pour une question de principe, est-ce que c'est bon? Bon pour toi, pour ta santé, pour ta famille, pour ton couple. Et enfin, se battre pour des principes, est-ce que c'est utile? Parce que je lui avais demandé au début, c'est quoi tes grands objectifs de vie? Être heureuse, avoir une belle famille, une vie de couple, vivre en paix. Est-ce que ce que tu fais en ce moment, t'es utile pour atteindre tes objectifs.
Alors, voyez-vous comment, avec des questions aussi simples, mais qu'on s'arrête, c'est les questions les plus challengeantes qu'on peut trouver. Et sincèrement, on est pris là-dedans à croire. Elle, le problème, c'était sa croyance. Tenir à ses principes, c'est important. Dans la vie, il faut avoir des principes. Puis une personne qui a commis une faute professionnelle, il faut qu'elle paye. C'est une croyance, hein? On s'entend. Maintenant, est-ce que cette croyance-là, est-ce qu'elle t'est utile, oui ou non? Ça t'aide-tu dans ta vie à continuer de croire ça? Ça te rend-tu plus heureux? C'est-tu bon pour toi? C'est-tu bon pour ton développement? C'est-tu bon pour ceux que t'aimes? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Puis là, le monde me dit, « Ouais, mais vous n'avez pas de principe! » Bien, je pense que j'en ai deux, trois. Mais en bout de ligne, l'idée, c'est ce que je fais, ce que je pense, dans les batailles que je choisis.